Good morning, allez, Iden et Susra, aujourd'hui, le Nishma David Ben Fortuna, Mazal Fritna, Dvorah Bat Esther, Lucienne Bat Reina. Si vous souhaitez aussi étudier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étions au Sechet Nedarim, Perek Zayin Mishnah Bet Anoder, Menadagan, Asur Befola Mitzri Yavesh, Divrei Rabbi Meir, Vachachami Mori, Menu Asur Ala Bechameshet Aminim. Rabbi Meir Omer, Anoder Minatevu A, Eno Asur Ela. Aval anoder mina dagan asur bakol ou mutar beperot a ilan ou bayarak. Encore une Mishnah avec la définition des termes, avec cette fois-ci quelqu'un qui s'interdit anoder mina dagan. Je ne veux plus manger du dagan. C'est quoi le dagan? Vulgairement traduit, c'est les céréales. Maintenant, dans l'instant en hébreu, il faut bien comprendre, il y a deux, on va différencier deux sortes de céréales. Quand on parle des céréales, ça peut être soit les cinq espèces spécialement, Rita, Seora, Shebolachual, Kusemet, Chiffon, ça veut dire le blé et l'orge, et l'épeautre, et l'avoine, il m'en manque un, c'est pas grave, c'est les cinq blés, blé ou orge uniquement, ça c'est un premier groupe. Il y a un groupe plus élargi, ça va être toutes les légumineuses, plus précisément, toutes les... on va inclure même les autres céréales, en incluant même le maïs, et hein, avec le aussi toutes sortes d'autres, le riz aussi, en l'occurrence, il y a encore, et à part ça, hein, étymologiquement parlant, le dagan, le mot dagan, ça provient du fait qu'on est madgin, on fait un tas, on entasse les légumes, ces sortes de légumes, après les avoir... Finalement, une fois qu'on a fini de travailler, on finit par en faire un grand dagan, un grand digoun. D'où vient le mot dagan? Vous comprenez la problématique? Alors maintenant, la question elle est de savoir, quelqu'un qui fait un éder qui ne va pas manger du dagan, qu'est-ce qu'il implique dans ça? Que les céréales, ou même plus large. Alors la Mishnah me dit, Asur befola mitri yavesh, il n'a plus le droit de manger non plus des fèves sèches, parce que les fèves sèches, ça entre dans le cadre des légumineuses qu'on fait un digoun. Divrei Rabbi Meir, telle est la vie de Rabbi Meir, tandis que Bachamim Omrim, Eno Asur, Ela Bachamishat Aminim. Selon Rabbim, ils disent non, les gens les appellent Dagan, que les cinq espèces qu'on a, comme on a dit, le blé, l'orge, les choses qui nourrissent l'homme, et les dérivés, parce que l'avoine, et l'épeautre, et le, je sais plus, le quatrième, c'est lequel, le seigle. Alors, c'est tous des dérivés du blé ou de l'orge, comme c'est expliqué longuement dans plusieurs Gemarot. Et donc, on a deux pôles, le blé, l'orge, et quelques espèces intermédiaires. Et donc, voilà. Donc c'est la marquette qu'on a. Est-ce que le dagan, ça implique spécifiquement les cinq céréales, ou bien ça implique toutes sortes de céréales ou de légumineuses qu'on pourrait entasser? Rabbi Meir me dit, anoder mina tvoua, s'il a expliqué le mot tvoua, alors là, dans ce cas-là, eno asur elabe chameshet aminim. Seulement là, il sera interdit dans les cinq espèces de blé d'orge, épeautre, seigle et avoine. Tandis que Aval Anoder Mina Dagan, celui qui dit le mot Dagan, Asur Bakol, il est interdit par tout ce qui va, ce qu'on a l'usage de faire ensuite un tas. On implique aussi dedans toutes sortes de légumineuses, de graminées, je ne sais pas ce qu'on pourrait encore inclure dans ça, mais à exclure par contre, ou Moutar Be Perotailan ou Bayarak, par contre il aura le droit de manger les Perotailan, les fruits de l'arbre, même si ça arrive qu'on les entasse aussi. Et même Beyarak, les légumes proprement dit, parce que là on ne les appelle pas dans le terme de Dagan. Ok? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlach, Kol Tov, Salam.